j'espère que ma peinture tiendra sans craquelure. Je voudrais arriver devant les jeunes peintres de l'an 2000 avec des ailes de papillon. Au premier plan, une rambarde soutenue par des barreaux verticaux. Au second plan, deux pans de mur bordent une verrière. Derrière la verrière, un paysage découpé en strates successives. Une surface vert clair, sans doute une haie. Une surface à jaune vif, le mimosa. À gauche et en contrebas, des maisons noyées dans la végétation. À l'arrière-plan, d'autres bâtiments dispersés dans la campagne. Un paysage fermé par des montagnes, une mince bande de ciel. L'atelier au Mimosa est une toile carrée de 1,27 m de côté. Pierre Bonnard découvre la lumière de la Côte d'Azur vers 1909. C'est pour lui une révélation, un coup des mille et une nuits. Il y revient presque chaque année. Saint-Tropez, où il fréquente Signac, et sort en mer avec lui. Antibes, d'où il se rend chez Renoir à Cagnes. Grasse, Cannes, le Canet enfin sur les hauteurs de Cannes. En février 1926, Bonnard a 59 ans. Il achète au Canet, avenue Victoria, une petite maison perchée au sommet d'une pente forte, découpée en terrasse. Bonnard transforme la maison, baptisée le Bosquet, et la rend confortable. Volets verts, façade de crépi rose, elle reste modeste. Mais face à la terrasse supérieure, un immense panorama. La courbe de la baie de Cannes, aujourd'hui en partie cachée par les arbres, la chaîne de l'Esterel, les vallées qui descendent vers la ville. À partir de 1939, Bonnard ne quitte plus le Canet qu'en de rares occasions. Il y peint l'atelier au Mimosa pendant la Seconde Guerre mondiale. Il le retouche et le termine en 1946 au cours d'un séjour à Fontainebleau chez son neveu Charles Terrasse. Le peintre meurt au Canet en janvier 1947. Resté dans la famille, le tableau a été acheté par le Musée national d'art moderne en 1978. On parle toujours de la soumission devant la nature. Il y a aussi la soumission devant le tableau. Le Bosquet, qui figure souvent dans le cadre, et les paysages de ses environs donneront naissance à 283 peintures. Paysage au Canet. Ciel d'orage sur Cannes. Le jardin est aussi une grande source de motifs. L'amandier. Dernier tableau de Bonnard. Une grande salle à manger ouvre sur la terrasse par une porte-fenêtre. Le peintre la montre de nuit comme de jour. La préparation du dîner. Coin de salle à manger. Il en isole des parties. Marthe dans la salle à manger. Dans le placard blanc, les positions des quatre portes de placard et la lumière artificielle chantent les variations insolites d'un espace familier. Le peintre s'approche, c'est le placard rouge. La lumière électrique projette les petits carreaux, d'où les traits verticaux. Mystère optique dont seule la visite des lieux peut donner la clé. Comme si Bonnard voulait prouver que le moindre recoin avait toujours sa part d'étrangeté. À l'étage, la chambre du peintre. Austère.
Au-dessus du lavabo, une glace. Face au lit, une fenêtre. La petite fenêtre. De l'autre côté du palier, le petit salon. Intérieur blanc. Matinée au Canet. Vase de fleurs sur la cheminée. De même, la salle de bain sert de décor à une vingtaine de tableaux. Nu debout. Nu aux gants de crin. Sortie de la baignoire. La toilette. Nu à la baignoire. Le modèle chaque fois est Marthe Bonnard, compagne du peintre depuis 1893. Femme-enfant de petite taille, au corps délicat, mince et svelte, elle a été le sujet de 384 tableaux, dont 147 nus. L'atelier enfin. Bonnard l'a fait construire au nord de la maison. Une mezzanine en trapèze, limitée par une balustrade, surplombe de quelques marches un espace rectangulaire. Sur un côté de cette partie basse de l'atelier, une grande baie vitrée partagée en quatre bandes verticales, la partie centrale s'ouvrant comme une fenêtre. Cette verrière donne sur les jardins voisins et sur l'arrière-pays cannois. Dans le toit, une autre verrière. De cette pièce, Bonnard donne en 1932 une première peinture, aujourd'hui non localisée. Puis une lithographie. Enfin, l'atelier aux mimosas. Bonnard ne peint jamais sur le motif à la façon des impressionnistes. Il cherche bien à capter la lumière, comme Monet, et la sensation, comme Cézanne, mais il se méfie du contact trop intime avec le sujet. Sa démarche consiste à saisir à l'aide du seul dessin aussi bien les lignes et les formes que les lumières et les couleurs d'un instant privilégié. Ses agendas ont été conservés. Chaque jour, un simple constat du temps qu'il fait. Selon les propos du peintre, c'était une façon de se remémorer une lumière, une atmosphère particulière. Des listes de courses à faire, parfois. Mais surtout des quantités de petits croquis. Un thème né qui se développe au fil des jours. L'intérieur blanc, de mars 1929 à mars 1932. La toilette, de février à décembre 1932. Et souvent des phrases brèves, des réflexions sur la peinture. Les grandes formes, même dans les petits formats. Il existe aussi des centaines de dessins de Bonnard sur des feuilles volantes. Parfois, un croquis est annoté avec des noms de couleurs. Mais le plus souvent, comme pour les agendas, le dessin correspond à une sorte de sténographie personnelle du peintre. Contraste, rythme, couleur, dégradé, reflets et touches sont figurés. L'atelier au Mimosa a été ainsi préparé. Bonnard n'utilise ni chevalet, ni châssis. Il achète sa toile en rouleau. Il en découpe une surface qu'il fixe au mur de l'atelier à l'aide de punaises. Il déteste se sentir limité par les formats des toiles toutes préparées du commerce.
plusieurs toiles sont fixées au mur en même temps, auxquelles le peintre travaille par intermittence, debout ou grimpé sur un escabeau. Sur une petite table, le matériel, pinceau, tube de couleur, assiette, palette où Bonnard prépare et teste ses teintes, enfin, palette classique rectangulaire. Le seul terrain solide du peintre, c'est la palette et les tons. La toile est enduite d'une préparation claire entre le blanc et un gris bleuté, nuance qui apparaît dans de nombreux petits interstices. Tout le tableau est composé à l'aide de jus teinté et de touches légères. Les montants de la verrière sont tracés en noir d'un pinceau très fluide, chargé d'essence et frotté contre la toile. Puis les traits sont repris à l'aide de bleu et de blanc. À droite, le mur est composé de plusieurs pans de couleurs qui se mêlent parfois sur leur lisière. Pourpre, jaune de Naples, vermillon, gris bleuté, rose, jaune. Du côté gauche, des couches un peu plus épaisses rendent la texture grenue du mur dans une teinte pourpre. Viennent ensuite des successions verticales de couleurs, ocre jaune, vert émeraude, orangé, rouge, jaune citron, bleu d'outre-mer, noir, gris vert. Ces couleurs ondulent et se transforment les unes dans les autres. Une photographie de l'époque montre qu'il s'agit d'un épais rideau. La surface visible au premier plan est une petite table cannelée bordée de bambou. Elle a été d'abord dessinée au pinceau noir, puis rendue par un mélange de touches orangées, ocre jaune, rouge et pourpre. À l'extérieur, la haie est formée d'un mélange de vert foncé, de vert clair et de jaune taché d'un peu de marron. Pour la zone du mimosa, Bonnard a d'abord sali la préparation claire par des jus gris et vert pâle. Il a ensuite posé des touches jaune citron entremêlées de vert et de bleu. Dans les parties les plus clairsemées, le vert prend plus d'ampleur, avec quelques accents légers de noir évoquant les branches. Dans une échancrure du mimosa, un fragment de toit rappelle ces petits personnages cachés des images de vignettes populaires. Cette zone est une sorte de point focal, de centre de gravité du tableau. Elle détruit l'uniformité du pan de verrière vert et jaune, force l'œil à ajuster sa vision pour mesurer la profondeur, enfin renforce, par contraste, l'éclat du mimosa jaune. Si on la supprime, le tableau semble perdre de sa force. Les maisons dans la campagne sont dessinées en noir. Des touches de blanc pour les façades. Pour les toits, des touches ou des traînées rouges sur des touches de jaune ou parfois l'inverse. À distance, l'effet est orangé. Diverses variétés de feuillage. Bouquets de pins à la ramure vert clair. Un mélange de plusieurs densités de vert, de bleu. Des reliefs en touches blanches. Des petites touches marron clair. Peut-être des pommes de pin. Pour l'arrière-pays, des touches rectangulaires bleuâtres ou rouges briques diluées. Dans tout le tableau, il existe une correspondance étroite entre la touche et la texture de l'objet qu'elle représente. La touche est lisse et allongée pour la balustrade de bois peint, épaisse, molle et ondulante pour les plis du rideau, tressé pour la petite table de bambou, étiré et métallique pour les montants de la verrière. Enfin, le mimosa, véritable défi pour le peintre. D'abord minuscule grappe de sphère vert jaunâtre, les fleurs éclatent ensuite en boules hérissées et plumeuses d'un jaune vif que l'œil parvient à peine à cerner.
Bonnard les traduit par des petites touches poudreuses, floues et retombantes. Les touches sont lisses, soudées et continues à l'intérieur de l'atelier. Rugueuses, dispersées et discontinues à l'extérieur. L'ensemble est très mat. Le tableau est une suite de tâches qui se lient entre elles et finissent par former l'objet, le morceau sur lequel l'œil se promène sans aucun accroc. Pour lier ces taches de couleur, Bonnard pousse le système chromatique à son paroxysme en jouant sur les oppositions. La plus grande surface du tableau, le mimosa, est d'une dominante jaune-vert. Bonnard rééquilibre donc cette surface par le grand pan de mur pourpre. De même, la haie, composée de plusieurs nuances de vert, suscite des variétés de rouge dispersées tout autour. Dans les grandes surfaces du tableau, comme à l'échelle de la touche, les effets les plus brillants sont obtenus par des modulations autour de couleurs complémentaires ou par de franches oppositions de tons. Les tons complémentaires très saturés, lorsqu'ils sont juxtaposés, paraissent générer de la lumière plutôt que limitée. Bonnard prend peut-être parfois en compte la variation diurne de la lumière. Ainsi, le nu dans la baignoire est d'un chromatisme qui paraît outré. Mais le tableau ne serait-il pas la traduction exacte de ce que le peintre a pu observer sur le carrelage de la salle de bain? Le matin, la lumière du soleil pénètre par la porte-fenêtre ouverte à l'est et illumine le mur de gauche de jaune vif. Puis, pendant un temps, l'autre fenêtre, au sud, ne répercute plus que la lumière bleue du ciel. Vers la fin de l'après-midi, la lumière solaire reprend possession de la surface blanche et glisse vers la droite jusqu'au ton orangé, rouge et pourpre du couchant. Bonnard est tout aussi fasciné par la lumière artificielle. Dans les dessins préparatoires, les valeurs lumineuses, comme les reflets, sont marquées. Dans l'atelier au Mimosa, Bonnard oppose deux mondes et deux lumières. L'extérieur traité surtout en teinte froide et l'intérieur surtout en teinte chaude. Premier paradoxe, le paysage, s'il était vraiment sous le soleil, devrait être plus chaud. Mais les bleuâtres des lointains, le jaune citron cru du mimosa, les verts et verts bleus des frondaisons créent une surface à dominante très froide, hérissée de touches. Cette surface s'oppose à celle de l'atelier lui-même, douce et chaude, diaprée et traitée en continuité. Autre paradoxe, ces teintes de l'atelier ne devraient pas être aussi claires que celles du paysage. L'explication est simple, la petite verrière de la mezzanine et les ampoules électriques éclairent assez l'atelier pour assurer cet équilibre entre extérieur et intérieur. Il y a du rouge sur les crêtes de l'Esterelle. Le ciel et les montagnes sont d'un bleu sombre et l'ombrage du rideau est du côté de la verrière. Bonnard a donc choisi un moment précis, l'heure entre chien et loup, en février, lorsque la lumière électrique commence à rivaliser avec celle du jour déclinant. La rambarde blanche illustre bien cette frontière. Elle reflète d'un côté l'éclairage électrique jaune et de l'autre le bleu du ciel. Un instant plus tôt, l'intérieur aurait été vu en contre-jour. Un instant plus tard, c'est au contraire l'extérieur qui aurait été gagné par la nuit. La verrière est alignée sur le plancher de la mezzanine. Elle a 1,80 m de haut. Bonnard mesure 1,75 m. Il a donc le regard situé quelques centimètres seulement sous le sommet de la verrière, d'où le peu de ciel visible dans le tableau. Les lignes des deux armatures de la verrière déterminent un point de fuite
Et en effet, la ligne d'horizon passe un peu au-dessous du bord supérieur du tableau. Malgré l'apparente spontanéité de la facture, le tableau obéit à un système perspectif rigoureux. Les lignes de la verrière et de la rambarde forment une grille complexe qui découpe l'espace, déclinant toutes les déformations possibles du carré, rectangle, losange, triangle, trapèze. Comme une partition musicale faite de lignes obliques, de diagonales contrariées qui se déplient et se déploient les unes par rapport aux autres en autant d'harmoniques. Lors d'une visite au Louvre, Bonnard déclare « Ce qu'il y a de plus beau dans un musée, ce sont les fenêtres. » Au XVe siècle, Léon Battista Alberti définit la peinture. « Je trace un rectangle de la taille qui me plaît et j'imagine que c'est une fenêtre ouverte par laquelle je regarde tout ce qui y sera représenté. La fenêtre, avec son cadre et son châssis, est cette surface translucide qui permet de voir le monde extérieur. » Le tableau, lui aussi, avec cadre et châssis, est une fenêtre qu'on dit ouverte sur le monde. De sa maison d'enfance à celle du Canet, Bonnard a toujours habité des demeures à porte-fenêtre. Fenêtres ou porte-fenêtres apparaissent souvent dans ses tableaux. Elles lui permettent de lier des espaces, des couleurs et des textures différentes, donc des sensations différentes soudées par le souvenir. Le miroir est aussi une fenêtre. Pour ses autoportraits, le peintre choisit souvent la glace du lavabo de sa chambre. Dans le cadre ainsi découpé, d'autres cadres, ceux que dessinent les moulures des placards, celui qui est accroché au mur. La verrière de l'atelier est placée au centre du tableau comme un autre tableau, une mosaïque, un vitrail ou une tapisserie. Donner l'impression que l'on a, quand on pénètre dans une pièce, que l'on voit tout et rien à la fois. Bonnard veut peindre la réalité globale du champ de vision, perçue d'abord comme un assemblage étendu et confus de formes, de lignes et de couleurs. Il joue sur la différence entre la perception des couleurs et la perception des formes. Et il met en scène en même temps ce que l'on voit d'un seul coup, ce que l'on découvre peu à peu et ce qui résiste à l'exploration. Dans un premier temps, le regard perçoit avec difficulté tous les objets présents dans le cadre. Il est donc plutôt attiré vers le centre. Ensuite, il déchiffre les découpes géométriques de l'architecture. Puis, il explore des détails. À l'extérieur, maison, toit, fleurs, arbres, montagnes. À l'intérieur, table du premier plan, rambarde. Enfin, les zones plus difficiles à lire, rideaux, table du second plan au niveau inférieur, avec la bouteille d'encre, la boîte, les papiers blancs. Le regard est donc d'abord égaré, puis intrigué, enfin peu à peu émerveillé. La dynamique de lecture imposée par le tableau traduit un vrai programme philosophique. Recentrer l'espace autour de soi, rassembler le minuscule et l'immense, le proche et le lointain, l'intérieur et l'extérieur, le chaud et le froid, la lumière artificielle et la naturelle, le privé et l'universel. C'est la verrière translucide qui sert de lien ces deux mondes. Elle retient la méditation à l'intérieur, dans l'espace privé de l'atelier, et lui permet en même temps de fuir vers la sauvagerie lointaine des sommets. La découpure stricte dans la vision donne presque toujours quelque chose de faux. La composition au second degré consiste à faire rentrer certains éléments de vision qui sont en dehors de ce rectangle. La fenêtre ouverte.
dans l'angle inférieur droit, un visage de femme. Marthe, qui joue avec le chat, et que le peintre a camouflé dans des teintes proches du fond. La table et le jardin. Une fois de plus, Marthe sur le bord, fondue avec les fleurs et le mur rouge. Bonnard joue ainsi sur la différence entre vision centrale et vision périphérique. La vision périphérique ne reconnaît que les forts contrastes de tons. Dans une première approche du tableau, ces détails, traités ton sur ton, passent donc inaperçus. L'œil, qui a exploré toutes les zones de la toile, finit par découvrir tout en bas à gauche un visage jaune et rouge, auréolé de bleu. Il ne figurait dans aucune des versions antérieures, dessin, lithographie ou toile. Il est coupé par le cadre, il a été dessiné au crayon et à peine couvert de peinture. Qui est-ce? Peut-être Marthe. Elle meurt le 26 janvier 1942. Ce jour-là, Pierre Bonnard inscrit seulement une petite croix dans son agenda. C'est la saison même où les mimosas commencent à fleurir. Le peintre l'a placé en marge de son tableau comme un souvenir qui s'efface, ou encore comme un ange timide dans une annonciation. Mais que pourrait-elle bien annoncer? Peut-être une autre façon de faire de la peinture. La peinture ou la transcription des aventures du néroptique. Bonnard écrit ces mots dans son agenda des années auparavant, en février 1934. En février, tous les mimosas du Canet sont en fleurs. La fleur d'hiver annonce le printemps, le renouveau. La phrase signifie aussi qu'en peinture, il ne se passe plus rien, qu'il n'y a plus de sujet, ni Dieu, ni héros, ni histoire. Rien que le visuel. Donc en effet, les illusions et les éblouissements du nerf optique. Et de ce rien, il s'agit de faire le sujet du tableau. Les grandes toiles du peintre représentent des scènes d'apparence classique, mais bien autre chose encore, le mécanisme même de la perception visuelle. C'est-à-dire pour Bonnard, grand lecteur de Mallarmé comme de Proust, le moment précis où un fragment de temps anodin, isolé, devient la substance même de la mémoire. Le mimosa, même tenu à distance par le châssis de la verrière, déborde sur les montants et les ronges. Il irradie jusque dans l'intérieur de la pièce, où sa couleur, aussi insidieuse que son parfum, gicle sur tous les objets et semble même engendrer le visage fantôme de Marthe. Avec sa touche granuleuse et floue, mimétique, il vient vers le peintre dans l'atelier, vers le visiteur dans le musée. Regarder le mimosa en face, c'est regarder la couleur la plus claire du spectre et l'instant même où le temps perdu se retrouve.